0. Hé, hey, c'est de la triche. Merci bien, Caroline. C'est une très bonne action de ramasser toutes les bocs de châtaigne, car elles ont des piquants qui peuvent faire très mal. Surtout si quelqu'un s'assoit dessus, t'imagines? Aïe! Merci. Je comprends pas. Comment tu fais, toi, pour pas te piquer? Oh, j'ai une carapace et une peau très, très épaisse. Ah, j'ai pas encore dit mon dernier mot. Mais oui, je sais comment je vais faire. Oh, bravo, Bill. Ça, c'est très ingénieux. Ah, Bill le débile. Toujours en train de jouer avec un bâton. Bill, Caro, j'ai une super nouvelle à vous annoncer. Un couple de mésanges vient d'avoir des petits. Des bébés mésanges? Oh. Venez. Allons voir ça de plus près. Accroche-toi bien, Caro. Salut les petits nouveaux. Oh, ils sont trop mignons. Allez, à plus les amis. Et voilà, terminé. Vous m'avez bien aidé, merci. Caporal! Alors comme ça, tu veux croquer des pauvres petits oisillons sans défense. Youpi, j'ai volé dans les airs. Les mésanges te remercient beaucoup, Bill. Tu as été trop génial. Ouais, mais tel que je connais Caporal, il va revenir. Salut, Bill, ça baigne. Vous tombez bien, les copains. J'ai besoin de vous. Oh, elle porte des tongs maintenant, Madame Stick. Hein? Hé, mais c'est encore de la triche. T'as compris, Pluche? Ouais, t'inquiète. Bien, il n'y a plus qu'à mettre en place le plan B. Ah, ce gros Nico de Pluche, ça va être un jeu d'enfant de me débarrasser de lui. Ah ben voilà, c'était exactement ce qu'il me fallait. Alerte rouge. Ah ben non, c'est moi qui ai faim. Et un sandwich. Non, pas bien, je dois pas bouger d'ici. Oh, et puis zut, à la fin. Ben, où est-ce qu'il est passé? Ah, le voilà. Quoi? Mais c'est qui se moque de moi, ce sandwich? Mais... Là, on va bien rigoler. Plus un geste! Tu mets tes pattes sur la tête! T'es en état d'arrestation pour vagabondage. Bye bye, Pluche, mes amitiés à la fourrière!
Personne à la ronde, ces oisillons sont tous à moi. Eh ben, j'ai eu chaud. Oh, ça pique de partout. Yo, 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 yo. Bien joué, les amis. Tu l'as dit? Mais t'étais où, toi? On a transformé Caporal en hérisson. Le problème, c'est que Caporal va revenir. Alors, on fait quoi, maintenant? Oh, je sais pas, moi. On demande à Poule de nous aider. Super idée, Caro. Vous deux, vous restez ici pour surveiller les oisillons. Youhou! Mais attention, les amis! On vous a atomisé. Évidemment, vous avez pas arrêté de tricher. Regardez, derrière vous, il y a Bill et Caro qui arrivent. Arrête, je te crois pas. Ça prend plus vos embrouilles. Oh. Qu'est-ce qu'il y a, Bill? Tu veux me montrer quelque chose? Un chat? Tu imites un chat? Oh, regardez, un nid avec des petits oisillons. J'ai compris. Il y a un chat qui veut les manger. Et je parie que ce vilain chat, c'est Caporal. Alors, je sais ce qu'on va faire. Mais j'ai besoin de temps. Donc, en attendant, vous empêchez Caporal d'approcher, d'accord? Où est-ce que t'es encore allé te fourrer, espèce de nouille? Qu'est-ce qu'il y a? Tu t'es endormi? Ouais, et d'ailleurs, c'était super cool. Je rêvais que je traversais une forêt où les arbres, c'était des cuisses de poulet. Ah, c'est pas vrai, où est-ce que j'ai mis ce truc? Je l'ai trouvé. Je vais aller croquer ces petits oisillons et personne ne pourra m'en empêcher. Personne. Une souris! Alors ça, c'est vraiment parfait! Ça fera un excellent hors d'œuvre. Opération diversion, phase 1. C'est parti! Oh, elle commence à m'énerver, cette souris de malheur! Caro, amène la souris le plus loin possible du parc. Réussis 5 sur 5. C'est pas une vraie souris, ça. J'y crois pas, je me suis fait avoir. Bon appétit, Caporal. Évite de manger les piles, quand même. Opération diversion, phase 2. On a presque terminé. Oh,
Oh, je me sens pas bien du tout. Je crois que ça irait mieux quand j'aurais mangé ces oisirs. On dirait que la voie est libre, mais méfiance tout de même. Peut-être que c'est un piège. Non, c'est bon, il n'y a personne. Allons-y. Quoi? T'arrives trop tard, caporal. Regarde plutôt par là. Génial! Les oisillons vont pouvoir dormir tranquilles là-haut. Bon bah voilà, t'as plus qu'à redescendre maintenant. Comme ça, on pourra jouer à chat. Très drôle. À toi de jouer, Robin. Oh là là, je sens que la nuit de caporal va être très longue. Oh oui, elle va être très très longue. Regarde bien cette mésange, Boule. Est-ce que tu sais pourquoi elle bat des ailes comme ça? Non. Pour s'étirer, comme toi quand tu te lèves. Ce parc est vraiment rempli de bêtes curieuses. Regarde, papa, celui-là. Pourquoi il fait ça? Attends, je cherche. Ah, les oiseaux écartent souvent leurs ailes pour se rafraîchir. Tu vois, tout est expliqué dans ce livre. C'est top! Avec ça, je vais pouvoir comprendre tous les oiseaux. Un livre pour comprendre les oiseaux? Comme si les oiseaux savaient écrire. Plus haut, Robin! Plus haut! Bon, je fais ce que je peux, mais je crois que tu as mangé un peu trop de salade ce midi. Hé, hey, Robin, je vois dans mon livre des oiseaux que tu as l'air bien fatigué. Tu veux que je te remplace? Volontiers, merci. Oh, je suis raplapla, je ferai bien une petite sieste dans mon nichoir. D'accord, bon bah Caro, paré pour le décollage. Tu viens, Caro? Oh, je suis pas fatiguée, moi. Je vais rester avec Bill et Boule, mais on se revoit tout à l'heure. Tu vois, en agitant la queue comme cela, Nala montre qu'elle est contente et heureuse. Comprendre les oiseaux, c'est essentiel pour réussir à les compter plus facilement. Lorsqu'un oiseau reste immobile, il y a peut-être un prédateur dans les parages. Hein, quoi? J'ai encore rien fait, là. Papa, t'as vu celui-là? On dirait qu'il danse. Eh oui, les mâles séduisent souvent les femelles de cette manière. Une belle danse bien exécutée, ça attire les autres oiseaux. Danser pour attirer les oiseaux? Oh, mais c'est une superbe idée, ça. Bon, il faut que je rentre travailler. Peut-être qu'avec un peu d'entraînement, tu arriveras à siffler comme les oiseaux. Tout est expliqué dans ce livre. À tout à l'heure. Voilà la cible idéale. Une mésange détendue et heureuse. C'est parfait. Un petit dab? Hey, beauté. Qui danse? On se fait un petit slow tous les deux. Danser, c'est trop fatigant. Ah, mais qu'est-ce que vous faites? Ah, je déteste les admirateurs qui bavent. Oh, des rouges-gorges comme Robin. Mais où est-ce qu'ils vont? Ce sont des rouges-gorges migrateurs. En hiver, ils partent très loin pour rester au chaud. C'est le contraire des rouges-gorges sédentaires, qui restent toujours au même endroit. Comme Robin. Il me manquerait trop s'il partait. Ah, voilà ce que je cherchais. Comment siffler comme un oiseau pour communiquer avec eux? Allez bien, Caro, le spectacle va commencer. La pièce s'appelle Boule Roucou, les s'exclavent comme un petit piaf. Eh ben moi, je trouve ça plutôt joli. Ouais, j'avoue, je m'attendais à pire. Mais ça marche pas trop avec les oiseaux, on dirait. Ça marche pas trop, ce truc. Ça marche! Salut les amis, moi c'est Lulu. Elle est où cette méga fête avec des tas de reines à piperer? On peut aussi attirer les oiseaux en sifflant. Oh, c'est dingue! Une fête? Quelle fête? Ben, j'ai entendu un rouge-gorge avec un drôle d'accent qui parlait d'une fête avec graines à volonté. Alors je suis venu voir. Un
incroyable. C'est Boule que t'as entendu. Il a sifflé sans savoir ce qu'il disait. Non, je comprends mieux. C'est pour ça qu'il parle de façon SMS. Ben oui, le langage est super mal sifflé. Mais tu es drôle, toi. J'adore les toutous avec des grandes oreilles. Ça peut servir de couverture. Arrête, tu me chatouilles. Mais là, c'est carrément génial. Il est super sympa, ce rouge-gorge. Mais... Et si tu venais jouer à la maison, on te donnera des graines. Revenez les gluants. Attendez-moi ici. Je vais chercher des graines. Je reviens tout de suite. Hé, hey, Lulu, je parie que t'es pas capable de passer à travers mes oreilles. Ah oui, tu vas voir. Allez, plus serré. Trop fort. Bravo. J'adorerais voler comme ça dans le ciel. C'est l'heure du goûter. Ben, je suis sûre que tu pourrais y arriver. Essaie. N'importe quoi. Ben quoi, tu as déjà essayé ou pas? Ben non, jamais. Eh bien, alors comment tu sais que ce n'est pas possible? Oh, ça marche! Bill! Je vole! Bon, ok, il faut quand même un petit coup d'aile, mais allez, accroche-toi! Appelé en sifflant, il est trop génial et super balèze. Lulu fait des trucs incroyables. Regarde, Robin, peut-être qu'il pourrait t'apprendre. Bah, qu'est-ce qu'il lui prend? Pas besoin d'un livre pour comprendre qu'on l'a vexé. Robin doit croire qu'on l'a remplacé. Mais n'importe quoi, je n'ai jamais voulu que... Bah, il faut qu'on le retrouve. Bill, qu'est-ce que te dit ton flair? La boulangère vient de préparer une tarte aux pommes incroyable. Robin! Oh, il est là! Je viens de l'entendre! Tu n'es pas Robin? Effectivement, non, monsieur perspicace. Mais toi, tu ressembles bien à un casse-croûte à plumes. Lulu, non. Patouche, Minouche. Bien joué, Robin. Ah, t'as appris à siffler comme un oiseau. Eh bien, maintenant, tu vas apprendre à voler. Habile que moi. J'étais jaloux. Mais t'es ouf ou quoi? Toi aussi, t'es génial. Comme si on pouvait te remplacer. Tu sais, Robin, c'est pas parce qu'on se fait de nouveaux amis que les anciens ne comptent plus. Au contraire. On est tous d'accord. Non, pas moi. Ah bon? Je suis pas d'accord pour dire que je suis plus habile que toi. Sans toi, Caporal m'aurait dévoré tout cru. Tu m'as sauvé comme un vrai héros. Alors, sans rancune. Sans rancune. Vous pouvez m'aider, s'il vous plaît. Oh.
Oh, c'est haut. Une baguette et que ça saute. Oh. Oh, ce sont mes copains. C'était sympa de passer du temps avec vous, mais il faut que je reparte en voyage. Oh non, on s'amusait bien. Qu'est-ce qui se passe, Bill? Lulu s'en va? Mais on commençait tout juste à s'amuser. Quelqu'un peut m'expliquer ce qui se passe? C'est Lulu. Il faut qu'il parte rejoindre ses amis pour la grande migration. Au revoir les copains, à bientôt. Hé Robin, tu veux venir avec moi? Oh, c'est une super idée. Je n'ai jamais fait de si long voyage, c'est l'occasion rêvée. Oh, on dirait que Robin s'en va lui aussi. Au revoir les copains, à bientôt. Non! Chut! C'est un moment très important pour Robin. On ne peut pas le lui gâcher, c'est égoïste. Au revoir les copains, à bientôt! On t'aime Robin! Reviens vite! Moi, il me manque déjà. Oui, c'est vraiment trop triste. Allez les amis, il reviendra un jour. Mais bien sûr qu'il reviendra, des amis comme vous, ça ne s'oublie pas. Au revoir mon casse-croûte, reviens vite. Ça va Robin? Dis, tu es sûr de vouloir venir? Robin, Lulu, moi j'ai changé d'avis, je reste avec vous. T'es sûr? Tu fais pas ça juste pour nous? Non, un voyage, ça ne se décide pas sur un coup de bec, ça se prépare. Surtout quand on quitte ses amis. Au revoir, Lulu. On fera une grosse fête à ton retour et peut-être qu'on partira ensemble l'année prochaine. Avec joie. Au revoir, Lulu. Bon voyage. Bon. En attendant, quelqu'un peut m'aider? Attends! Oh, vous êtes prêts? Attention! Robin mène 2-0. T'assures, Robin? Merci. C'est ça, rigole. C'était l'échauffement. Vous allez voir. Ok, alors attention. Boule. J'y vais. Qu'est-ce que c'est? Ça a l'air tellement meilleur que des croquettes. Secours! Robin! Touche pas à mon copain! Non mais ça va pas la tête, Caporal. Robin, t'as rien fait du tout. Allez, sirop de fraise pour tout le monde.
cuit. Viens par ici, mon petit. Cuit, cuit. T'as des croquettes dans les oreilles ou quoi? Caporal, on vient de te dire de laisser Robin tranquille. Caporal, laisse mon brouilleur à pigeons. Ce n'est pas un jouet, c'est pour attraper les oiseaux espions. Caporal. Ah. Encore toi. Si je t'attrape, je fais un nœud avec tes oreilles. Mais Madame Styx, c'est Caporal qui essaie tout le temps de croquer Robin. Bill veut le défendre, c'est tout. Quoi? Mon petit Caporal ne ferait pas de mal à une mouche. Vous êtes prévenus, toi et ton chien, je vous ai à l'œil. Je vais vous surveiller 24 heures sur 24. Mais elle est complètement ouf, celle-là. T'inquiète pas, Bill. Comme ça, elle verra bien, cette sorcière, que tu fais rien de mal. J'arrive plus à voler. Un petit oiseau servi sur un plateau. Merci. Je le savais. Interception de l'agresseur. Bill, attention! Fichu machine! Ben alors, qu'est-ce qui t'arrive? Je sais pas. C'est sûrement parce qu'il t'a fait peur. Méchant chat! Et puis t'as les plumes toutes emmêlées. Normal que tu ne puisses plus voler. Allez, hop! Oups. Allez, prends bien ton élan. Vas-y, fonce, tu peux y arriver. Oh oui. Toujours pas. Bon, alors un grand coup de turbo. Non. T'inquiète pas, Robin. On va trouver ce qui t'empêche de voler. Tension normale, pas de blessure, plumage parfait. Tu as l'air en pleine forme, Robin. Tu pourrais même faire le tour du monde. Bah oui, mais le problème, c'est qu'il ne décolle même pas du jardin. Pas d'inquiétude, ça doit être le stress. Il faut qu'il se repose un peu. Et surtout, le tenir éloigné du chat. Merci, docteur. On va bien s'occuper de lui. Le tenir éloigné du chat, c'est plus facile à dire qu'à faire. Oh! Écoutez, j'ai une idée. Allez, s'il te plaît, Caporal. C'est notre copain, Robin. C'est pas une petite croquette. D'accord, je vais le lâcher. De toute façon, j'en ai assez de me faire tatiner. Youpi! Bill, il est d'accord. C'est trop génial. Youhou! Quelque chose me dit qu'on peut pas lui faire confiance. Oh. Allez, Robin, n'aie pas peur. Bats des ailes comme ça. Je suis sûre que tu peux le faire. Ok, ok. C'est parti. Et mon estomac, ça te dit de le visiter? Pouh.
je suis trop bête. Pourquoi je l'ai cru? J'en étais sûre. Elles valent pas une croquette, ces promesses. T'inquiète pas, on va trouver un abri bien sécurisé. Promis. Je connais un super endroit. Hein? Oh. Elle est sympa, ta maison, Bill. C'est comme mon nichoir, mais en plus grand. Profites-en. Là-dedans, tu seras au poil pour te reposer. Et il a pas intérêt à revenir dans le coin, ce sac à puce. Désolée, fausse alerte. Mais Robin, tu voles. Hein? Mais oui, youhou. Tu vois, fallait pas stresser. Une petite sieste et c'est reparti. Hé, Raspot, essaye de m'attraper maintenant. Oh oui, avec plaisir. Tu tombes à pic. Hein? Non! Non! Secours! Bravo, Général Stick! En plein dans le mille, cette fois. Alors, qui va bien pouvoir te sauver maintenant? Peut-être la tortue? Bah, les pattes! Il est terrible, il va revenir, c'est sûr. Hé, les copains, quand Robin est tombé, Caporal avait un truc bizarre entre les pattes. Ça se reflétait au soleil. Je suis sûre que ce truc a un rapport avec le problème de Robin. Bon, faut aller voir ce que c'est. Pas trop vite, Bill. Il faut d'abord qu'on se débarrasse de ça. Trop de fastoche, on va l'embrouiller. Qu'est-ce qu'il fabrique, celui-là? Où est-ce qu'il est, ce sale cabot? Caporalounet, toujours sage comme une image. Opération réussie. Parfait, place à la phase 2, capture de l'ennemi. Prêt, Robin? Fais dodo, petit caporal. Fais dodo, t'auras du lolo. Fais dodo, petit caporal. La voix est libre. Alors, tu te promènes tout seul? Tu devrais rester avec tes amis, tu sais. Allez, viens par là, mon petit. Baisse-toi, Robin. Ça s'est bien joué, Robin. T'as été super courageux. Tenez, on a trouvé ça. Je crois que c'est à vous, non? Ouais, et ça aussi. Mais oui, c'est mon boîtier anti-pigeon espion. Eh bien, Caporal s'en est servi pour essayer de croquer Robin. Oui, et c'est pas gentil. C'est sûr, faudrait un peu mieux le surveiller, ce sac à puce. Hein? Caporal! Ouh là là, on dirait que ça va barder. Au prochain tour. Non.
retrouver ma casquette. Préparez-vous au décollage. Bravo, Bill. Cool, merci. Bien joué, Bill. Allez, Bill, tu me la rends, ma casquette. Youhou. Allez, bah, elle est où, ma casquette? Allez, Bill, rends-lui sa casquette maintenant. T'inquiète pas, Pouf. Lorsqu'un objet disparaît, Boule et Bill sont là pour le faire réapparaître. Abracadaboule, abracadabile, que la casquette réapparaisse dans ton sac. Oh, incroyable. Trop fort. Comment est-ce que t'as fait ça, Boule? Bill et moi, on est des pros de la magie. Hein, Bill? Ouais, carrément, des super pros même. Ouah, vous nous montrez notre tour? Oh oui, allez, notre tour, s'il vous plaît. Ok, rendez-vous chez moi cet après-midi. On vous fera un grand numéro. Abracadaboule, abracadabile, que cette tomate se transforme en os à moelle. Ça ne marche pas comme ça, Bill. Il y a toujours un truc en magie. En croquette, alors? Qu'est-ce que vous faites avec cette tomate? Nos copains vont venir voir notre spectacle de magie. Mais le problème, c'est qu'on connaît qu'un seul tour. De la magie? Oh, mais c'est mon truc, la magie! Quand j'avais ton âge, c'était une vraie passion. Ah bon? Tu peux nous aider, alors? Évidemment! Suivez-moi! J'espère que c'est pas son meilleur tour. Abracadabra! Attention! Voici le livre de Michel Magix. Michel Magix, le célèbre magicien? Waouh! Dans ce livre, il explique quelques-uns de ses tours de magie. Avec ça, tu vas réussir ton spectacle. Merci, papa, t'es le meilleur. Attendez-moi! Prêt à assurer, monsieur Bill? Oui, à fond, monsieur Boule. Pour commencer, voici le tour de l'os mystérieux. Attention, mesdames et messieurs, abracadabile, abracadaboule, je veux que cet os disparaisse. Waouh! Youhou! Désolé, c'était plus fort que moi. Allez, passons au tour suivant. La balle magique. Au troisième coup, cette balle va disparaître. Un, deux, trois, tada! Oh là là, c'est encore plus fort. Bravo, bravo! Encore, encore, encore! Oh non! Choisis une carte, Caro. Tu retiens bien laquelle c'est, hein? Remets-la. Bill, souffle. Doucement. Désolé. C'est celle-là? 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 Mais c'était la dernière. Attends un peu. Oups, j'ai oublié ma carte. Et maintenant, je vais... faire disparaître cette balle. Celle-là? Alors, les magiciens, vous voulez un petit coup de main? Ah oui, papa, s'il te plaît. C'est pas facile du tout, ce tour de magie. Mais si, il suffit de s'entraîner. Allez, regardez bien. En magie, tout est une question d'illusion et de concentration. Tada! Caroline a disparu! Wow! Mais comment t'as fait ça? Il y a un double fond dans le chapeau. Tada! Oh. Alors là, je suis soufflé. Dommage qu'on n'ait pas de colombe à faire sortir du chapeau. C'est encore plus impressionnant. On n'a peut-être pas de colombe, mais j'ai une idée. Suivez-moi. J'ai pas trop perdu la main. Oh! Oh! C'est vrai, je vais être la star d'un spectacle de magie. Une méga star même. Mais faudra bien écouter et faire tout ce qu'on te dit. Youhou!
C'est entendu, je vous prête Nala. Mais faites attention, hein, c'est une petite coquine. Merci, madame. Vous venez voir notre spectacle tout à l'heure? Magie, je suis là. Allez, viens, Nala. Là. Ah, je vais vomir si ça continue. Nala. Allez, reviens, Nala. Et je suis là. C'est magique. Coucou. Elle commence à me chauffer la truffe, celle-là. Oh là là, elle est passée où? Miam. Voilà un bon 4 heures, ça va me changer de mes croquettes. Nala, t'es où? Boum. Arrête de faire l'andouille, Caro. Aide-nous plutôt à retrouver Nala. Bah, je l'ai trouvée. Très drôle, Nala. Tu viens de me donner une super idée, Nala. On va faire encore mieux que Michel Magix. On va transformer une tortue en oiseau. Alors, c'est bien compris? Nala, toi tu te caches dans le carton. Tu vas voir, ça va fonctionner comme une porte secrète. Pendant ce temps, je pose le chapeau sur Caroline et elle disparaît dans le double fond. Quand je montre le chapeau au public, il n'y a rien dedans. Oh, Caroline a disparu. Et ben et moi alors? Ensuite, pendant que Bill détourne l'attention, je place discrètement le chapeau au-dessus de la boîte. Et vous, Nala et Caroline, vous échangez vite vos places. Après Bill, tu tapes 3 coups sur le chapeau. 1, 2, 3. Et hop, on transforme Caroline en Nala. Ta-da! Complètement ouf ce tour. Moi aussi j'ai ma petite idée pour ce tour. Bienvenue dans le monde merveilleux de Boule et Bill, les plus grands magiciens du monde. Et voici notre premier tour. L'os mystérieux. Ta-da! Waouh! Ils sont forts, hein? Que le spectacle commence. On attend encore quelqu'un, chérie? Je ne sais pas, va voir. Bill, reviens. Il y a quoi à la télé? Je reviens tout de suite. Vous pouvez l'allumer si vous voulez. Où est la télécommande? Léo! Mais alors vous êtes où? Il fait trop chaud dans cette boîte. Des graines! Ça devait être une blague? Mais qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe? Chut, Caro! Et maintenant, notre grand numéro. Nous allons transformer une tortue en oiseau. Bien joué, fiston. Il est fort. Abracadaboule. Faut arrêter. Nala a vraiment disparu. Un petit instant, mesdames et messieurs. Oh non, faut la retrouver, Bill. Je vais les faire patienter. Avant de faire notre grand numéro, j'ai encore quelques tours à vous montrer. Tada! Super top, Boule! Bravo, mon Boule! Nala? Non, je l'ai pas vue. Nom d'une truffe, où est-ce qu'elle s'est cachée? Bonjour, petit gigot. Termine tes graines, tu seras encore plus croustillante comme ça. Nala! Caporal! Il est un peu tard pour appeler au secours. Bats les pattes, sac à puce! Hein? De quoi tu parles? Je fais rien du tout, moi, là. Vas-y, Bill! Tu sais que je suis magicien, caporal? Toi? Oui, la preuve. Pour commencer, je vais te faire voler et ensuite disparaître. Bravo!
Ah, c'était pas grand-chose. Merci, Bill. Tu es mon champion. Y a pas de quoi. Tout va bien. Oh. Abracadaboule. Tada. Abracadabille. Abracadaboule. Tada. Abracadabille. Abracadaboule. Hein? Et maintenant, le moment que vous attendez tous, nous allons vous présenter notre grand tour, la tortue oiseau. Pour commencer, je vais faire disparaître Caroline. Oh. Oh. Bravo. Bravo. Caro, réveille-toi. Allez. Hein? C'est magique. Bravo. 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 Ouah, mais comment t'as fait ça? Trop bien. C'est magique. Oh non, c'est déjà fini. Tada. C'est magique. Oh, magique. On fait quoi aujourd'hui? On taille les poils trop longs? Ou alors on rase tout? Mais c'est horrible! T'inquiète pas, je plaisantais. Un biscuit! Un biscuit! Oh! Non, non, petite coquine, tu viens juste de manger. Je vais jamais tenir jusqu'au soir. Chaque fois que Nala veut manger, c'est-à-dire toutes les 5 minutes, elle se met à chanter. Hé, hey, c'est pas bête ça. Faudra que je m'en souvienne. Bonjour. Bonjour. Salut Noisette, salut Pouf. Bonjour Julie. Elles sont trop géniales, ces mésanges. Comme elles sont mignonnes. Tu gardes Ming aujourd'hui, c'est ça? Oui. D'ailleurs, il faut que je l'emmène chez la toiletteuse. À plus. Allez, viens. Coucou, Nala. Coucou, Nala. Oh, coucou, coucou, Nala. Oh, coucou, 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 coucou. Tu sais quoi? Je viens de voir des mésanges au parc. Quand elles sifflent, les gens, ils leur donnent à manger. Ah, c'est vrai? Mais c'est très intéressant, ça. Waouh. Mmh. Comme tu es beau, Bill. Et maintenant, la touche finale. Bah, ça cocotte, ce machin. Terminé. Tu peux aller chercher Ming. Yip, yap. Yip, yap. Au revoir, madame. Bon, on y va? Chut, y a Nala qui dort. Hey! Oh non! Je la vois, Bill. Nala, je préviens sa maîtresse. Madame, madame, quand j'ai ouvert la porte, Nala s'est échappée. Oh zut, je parie qu'elle est allée chercher à manger. Je suis vraiment désolée, j'aurais dû faire plus attention. Ce n'est pas ta faute, Boule. Si, c'est ma faute, je vais la retrouver et vous la ramener. Non, ne t'embête pas avec ça, Nala revient toujours. À l'heure du dîner. Ah mince! Je les vois plus! Je sais même pas par où ils sont partis! Hey! Salut, Boule! Je suis en train de tester mon drone. Il a une mini caméra dessus et je peux le télépiloter avec ma tablette. Waouh! C'est trop génial! Hey, ça me donne une idée! Tu pourrais peut-être m'aider? Où est-ce qu'elle est passée? La la la. Bingo. La la la.
te voilà. Oh. C'est bon, hein? Ah, eh ben ça fait du bien. Oui. Hé, hey, Nala, viens par là. Laisse-moi tranquille. Oh. Allez. Terminé. Allez, on rentre. Alors là, tu rêves, Bill. Ça y est, on l'a retrouvée. Mmh. Elle est dans le parc. La la la. Ça, c'est bien joué, Nola. Faut pas que je la perde de vue. Redresse, redresse. Et voilà. C'est bon, j'ai repris le contrôle du drone. Oh zut, on a perdu Nala. Faut aller au parc. Oh flûte, je l'ai perdu de vue maintenant. Ah, la voilà. Nala, sois sympa. Reviens. Oh non, mais c'est pas vrai. On peut jamais manger tranquille. Non, Nala, reviens. Bien vu, Bill. Ça porte bonheur de toucher du bois. Quel oiseau de malheur. Je l'ai retrouvé. Oh, Bill a du mal à la suivre. Je vais essayer de coller Nala le plus possible avec le drone. On dirait que cet oiseau bizarre me suit. Ça suffit, va-t'en. Ah, j'ai compris. L'oiseau bizarre veut faire la course avec moi. Comme tu voudras, on va bien voir qui est le plus rapide de nous deux. C'est parti. Wow, elle est zinzin cette perruche. Hein? C'est quoi ce délire? Mince! Nala vient de sortir du parc! Nom d'un os à moelle, je l'ai perdu. Je reconnais cette rue. Nala est allée dans mon quartier. On dirait qu'elle commence à fatiguer. Oh, faut vraiment que je me repose. Oh là là, c'est pas vrai. Bah super, Boule, t'as explosé mon drone. Désolée, Nolan, je t'aiderai à le réparer. Ouais, bah en attendant, on a perdu Nala, du coup. Peut-être pas. Elle a tourné dans ma rue. Allez, viens. Hé, Pluche, t'aurais pas vu passer Nala par hasard? Non, désolé. Dommage. Bon, à plus. Yip. Yep. Mais où est-ce qu'elle est passée? J'en peux plus. C'est l'heure du goûter. Oh, bonjour. Je t'avais pas vu, dis donc. Tu serais pas la perruche de la champouineuse, Lola? Diana? Nala. Ah oui, Nala. Stop. Reste où tu es, sinon tu vas tâter de mon bec. Oh, voyons, je vais quand même pas croquer l'oiseau préféré de ma toiletteuse, enfin. Réfléchis un peu. Ouais, peut-être pas, mais reste quand même où tu es. Ok, comme tu voudras.
Dis-moi, Nala, qu'est-ce que tu fais aussi loin de chez toi? Je suis allée chanter dans le parc et les gens m'ont donné à manger. Ah, d'accord. Tu sais quoi? Dans mon jardin, il y a un endroit où ma maîtresse a déposé tout plein de graines pour les oiseaux. Ça t'intéresse? C'est vrai? Oui, et si tu veux bien chanter pour moi, je te montrerai où elles sont. D'accord. Oh, c'est vraiment magnifique. Je crois que j'ai jamais entendu un oiseau siffler aussi divinement, Nala. Oh, c'est vrai ça? Parole de chat, tu veux bien chanter encore un peu pour moi? Je vais juste m'approcher pour mieux t'entendre, d'accord? C'est un tel enchantement. Bon, d'accord. Je reconnais cette voix, c'est Nala. Bravo, quel talent! Dommage que ce soit la dernière fois que tu jacasses. C'est le meilleur! Merci, Bill. Tu peux me ramener, s'il te plaît? Je suis épuisée. D'accord, pas de problème. Et si on la ramenait chez elle tous ensemble? Ça va, le drone n'a rien, en fait. Il y a juste à replacer la caméra. Et voilà ton dîner, Nala. Bon appétit. Oh, Burp! Avec tout ce que j'ai mangé aujourd'hui, c'est dommage, mais je ne peux plus rien avaler. Désolée, Bill, mais je ne te resservirai pas. Tu viens juste de dîner. Ben, qu'est-ce qu'il lui prend? C'est nouveau, ça! Il fait comme la perruche de la toiletteuse et les mésanges. Il chante pour qu'on lui donne à manger. Ouf.